Le 30, madame, monsieur, le 30, je passe à la parole à monsieur Comte. Je vous retire. Jean-Noël Guérini se retire temporairement, juste le temps du vote. Par un courrier daté du 15 octobre, le président du Conseil général avait demandé une protection fonctionnelle, un privilège pour les fonctionnaires. Il pourra solliciter la collectivité pour couvrir certains frais de justice. Cette protection fonctionnelle peut s'appliquer à tout élu du Conseil général qui en fait la demande. C'est un droit pour tous, pour tous les élus du Conseil général et aussi pour son président. Participons à ce vote en considérant qu'effectivement c'est un droit et que ce droit doit être appliqué. Merci, madame. Merci beaucoup. Dans le rapport est voté. L'octroi de cette aide fait suite à 5 plaintes déposées par Jean-Noël Guérini pour injures et diffamation par voie de presse. Plusieurs journalistes seraient visés, Renaud Muselier aussi, selon le site internet Mars Actu. Le groupe d'opposition emmené par Martine Vassal s'est abstenu. Nous espérons que la justice rendra ses conclusions le plus rapidement possible. Et ensuite, derrière, eh bien, écoutez, peut-être qu'un jour, nos collègues socialistes prendront leurs responsabilités. Ils ne l'ont pas fait depuis plus d'un an. Je doute qu'ils le fassent maintenant. Seule l'UMP Marine Pustorino a voté contre cette protection fonctionnelle.